gars, c'est Giovace AMS et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec François Delporte. Hello François, comment vas-tu? Ça va, très bien, très bien. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui ici au studio AMS. Pareil, très content d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour tout le monde? Je m'appelle François Delporte, j'ai 50 ans presque. Je suis guitariste au départ rock, hard rock, metal. Mm-hmm. Et puis j'ai évolué vers toutes sortes de styles. Et ça fait 12 ans maintenant que je bosse avec Ibrahim Malouf. Ouais. Et j'ai la chance de faire des choses très très différentes avec lui. Donc, voilà, un peu mon parcours. Ok. Donc tu disais, guitariste très rock au départ. Ouais, en fait, moi j'ai commencé très tard la guitare, j'ai commencé à 17 ans, comme autodidacte parce que, voilà, avant ça, j'avais deux frères qui ont vaguement fait un peu de piano, mais ils étaient obligés, donc quand ils avaient fait leur quart d'heure quotidien, c'était fini, ouais. Alors que moi, je pianotais et que ça m'amusait. Et il y a une époque où j'ai une copine qui m'a offert une guitare. Waouh! Okay. Qui a vu avant moi. Purée. Et du coup, j'ai commencé la guitare, mais moi-même, et avec un pote qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Mm-hmm. Et après, j'ai joué, je viens de Mons, c'est là dans le coin, j'ai eu un groupe de rock. Comment en fait aussi? Mais non. Je te jure, je suis de la région de Mons. Enfin, Mons, voilà. Ça nous vient, un peu entre les deux. Vous pouvez nous laisser. comment? J'ai appris en autodidacte pendant un moment, et puis après. J'ai eu un groupe de rock donc dans la région de Mons, puis bon, on s'est séparés, comme ça arrive avec tous les groupes de rock. Et puis je suis allé à Bruxelles. Ouais. Je suis un peu en recherche de quoi faire, de quoi jouer. J'avais un peu entendu écouter du jazz et ça m'intriguait, des couleurs qui m'intéressaient, mais je comprenais pas bien. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de rencontrer Paolo Loveri, qui est un guitariste italien basé à Bruxelles et qui avait un peu le même parcours que moi au départ et qui m'a dit « tu devrais faire le conservatoire ». En fait, je cherchais pas spécialement une formation, mais le conservatoire jazz, c'est la seule alternative au classique. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas vraiment encore de conservatoire, d'école. Moderne. Moderne, bien installée. Bien sûr. Donc voilà, j'ai fait le conservatoire flamand à Bruxelles. Mm-hmm. Et au préalable, j'ai appris à lire la musique. Moi, je ne suis toujours pas une foudre de guerre en lecture. Et après, j'ai fait toutes sortes de projets. J'ai eu un quartet jazz pendant un moment. J'ai joué dans un groupe de funk qui s'appelait les KMGs, qui a représenté la Belgique à l'Eurovision à l'époque. Ok, ok. J'ai eu un trio fusion qui s'appelait Fox, vraiment bien arraché. Ouais. Et voilà, de rencontre en rencontre, avec justement grâce au batteur de Fox, Xavier Roger, qui travaillait avec Ibrahim à l'époque, j'ai rencontré Ibrahim Malouf qui avait besoin d'un remplaçant. Et ça fait 12 ans. Waouh. Donc, mais ce qu'il y a de chouette, c'est que j'ai encore quelques petits projets à côté, mais pour l'instant, étant donné qu'avec Ibrahim, on fait des concerts en groupe, on fait des concerts en duo, il fait de la musique pour d'autres, il fait de la musique de film, et tout ça, il m'inclut souvent dedans, mais j'ai énormément de boulot. Mais ce qui est chouette aussi, c'est qu'on fait des rencontres de gens. Moi, j'ai autant travaillé grâce à lui avec Mélodie Gardot qu'avec Manu Katché ou Mathieu Chédid ou Nunzunna. Donc, j'ai des horizons très entre pop, jazz, rock et toutes sortes de styles. Tout terrain, quoi. Voilà. Donc, j'ai la chance d'évoluer vers quelque chose qui me correspond, moi, en tant qu'autodidacte, qui avait un peu envie de découvrir toutes sortes de choses. Si j'ai commencé par le métal, j'ai pas pu éviter la pop que j'écoutais, qui était et dont j'ai piqué plein de choses aussi. Voilà, il y a plein de styles qui m'ont influencé. Je regrette de pas avoir eu l'occasion d'écouter plus de classiques quand j'étais petit, parce que les quelques trucs que j'ai entendus, ils m'ont imprégné. Ouais. Et comme des trucs de jazz ou de fusion que j'ai entendu, je comprenais rien. Et c'était une sorte de mystère magnifique. Comprends. Et puis après, quand j'ai compris, je dis waouh. Mais donc voilà, mon parcours, c'est un peu des choses en tout genre. Et au départ, c'est aussi surtout l'électrique. Parce que c'est par là que j'ai commencé la musique. Je fais de la guitare acoustique, folk et classique aussi. Mais mon domaine de prédilection, c'est la guitare électrique. Et si tu devais garder des idoles, des gens, des guitaristes qui t'ont inspiré dès le plus jeune âge et qui continuent à t'inspirer maintenant, ce serait qui Moi, je dirais... Moi, j'ai été fort influencé par Steve Vai.
parce qu'il est fou. Ouais. Ça reste de la musique très guitaristique. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. C'est un fou. Mm-hmm. Il a un truc fou, et ça, c'est génial. Mm-hmm. Jusqu'à imiter des sons humains, Bien sûr. Tout ça, je trouve ça assez drôle. En plus, je ne sais pas si tu as vu, il a sorti une dernière vidéo où il a une guitare. Avec... Ah oui, avec deux manches, machin, enfin, un truc de fou. Et il fait genre tout un morceau tout seul, c'est... Et il est là à jouer de la basse et de la guitare en même temps. Enfin, bref, c'est un fou comme tu dis. Il n'est pas au début de sa carrière, il est encore en train d'essayer de chercher et je trouve ça vraiment génial. Ouais, ouais, ouais. J'ai été très influencé, d'ailleurs, avant d'avoir ces guitares, ça n'en est pas très loin au niveau du setup. J'étais fan de Nuno Bettencourt, qui pour moi est un super guitariste des années 90. Bien sûr. Et il y en a quelques autres, mais je pense qu'il y en a un autre dans le registre plus jazz, mais qui a un lien avec le rock, parce que c'était assez fusion. Ouais. C'est Alan Holdsworth, qui est un guitariste qui a finalement été poussé par Van Halen, je ne sais pas, et qui, lui, quelque part, il, en live, il est là tout de suite. Donc c'est un peu difficile à suivre, parce qu'il est au maximum tout le temps, et c'est un peu difficile à appréhender. Ouais. Et il est un peu tout seul sur sa planète. Il était un peu tout seul sur sa planète. Ouais. Mais il avait un truc complètement à lui. Incroyable. Tout le temps lié ou très souvent lié. Ouais. J'ai cru entendre qu'il aurait volontiers fait du violon. Ben, on n'en est pas loin. Tu vois? Donc voilà, ça c'est un peu le genre de guitariste qui m'aura influencé. Ok, super. Alors aujourd'hui, tu es au studio pour parler de ton ampli de choix, qui est l'AMS de 150. Ouais. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as découvert cet ampli? Qu'est-ce qui te plaît dans cet ampli? Je ne vais pas dire chez, parce que ça fait un peu personnifier l'ampli. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait que de la manière suivante. J'ai rencontré David D'Acenzo qui fabrique mes guitares, les magnifiques Denso. David avait un ou deux modèles de chez vous. Et plusieurs fois, je me suis retourné en me disant, mais ça sonne vraiment très bien. Mmh. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que je suis allé plusieurs fois chez lui, ce qui veut dire qu'à plusieurs reprises, j'ai pu, pas comparer en direct évidemment, mais comparer en réentendant cet ampli, en entendant mon ampli, en entendant certains amplis sur lesquels je joue en live qui ne sont pas nécessairement ceux que je choisis. Ouais. Et à chaque fois avec ces allers-retours, je me suis dit, ils ont vraiment quelque chose de particulier. Et puis, je suis entré en contact avec Benjamin. Ouais. Qui m'a proposé gentiment de tester toute la gamme. Et d'abord, ce qui m'a impressionné, c'est que je pense qu'il n'y a aucun ampli qui ne m'a pas plu. Mais j'avais juste des choix ou des styles en disant « Ah, si je veux jouer tel style, je prendrai plutôt celui-là. » Et c'est tout. Et après, il y en a un qui m'est vraiment apparu parce que moi, je viens quelque part de son finalement un peu vintage. Je viens du hard rock et puis du métal. Le métal, il allait vers le son plus moderne, mais quelque part, les héritiers de Maiden, Led Zepp et tout ça, on part d'un son plutôt vintage qui va vers du moderne. Et je suis un peu entre les deux. J'ai joué pas mal sur des amplis plus modernes avec la disto intégrée. Et j'ai toujours trouvé que la disto de l'ampli était meilleure qu'une pédale, avant que je ne trouve vraiment d'autres alternatives très intéressantes et tout aussi valables. Et en fait, j'ai été souvent déçu par le clean de l'ampli. J'avais une super disto, et puis après, le clean, il était beau, mais il pouvait être un peu froid. Et du coup, j'ai fait des recherches dans l'autre sens aussi. J'ai découvert, entre autres grâce à David, l'une ou l'autre pédale qui pouvait me donner un chouette grain. Un chouette overdrive ou une chouette disto, et du coup j'avais pas nécessairement besoin d'avoir la disto dans l'ampli. Et j'ai découvert donc chez AMS The One, qui est un ampli plutôt vintage. Et j'ai été vraiment bluffé par le caractère complet du spectre. Si tu veux, du bas jusqu'en haut, j'ai un son qui est plein. Et ça, j'avais pas l'habitude de l'avoir, surtout en clean. Mais ce que tu as en clean, ça se reporte dans les effets que tu y mets, évidemment. Si ton EQ est bien, ton spectre est bien représenté, c'est le cas dans les effets. Et voilà, la chaleur de l'ampli et le spectre complet, ça c'est vraiment un truc, encore maintenant, je le disais à Benjamin, je redécouvre mes instruments parce que j'ai une gratte ici avec des humbuckers que je peux splitter. Donc j'ai un peu les deux en un, c'est pas comme une Strat ou une télé, mais quand c'est splitté, mais c'est déjà ça.
Et rien que le son de la guitare elle-même. J'ai vraiment une texture de son quand un humbucker, j'ai très rarement. Le humbucker, il aplatit un petit peu le son et le caractère. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. Et du coup, j'ai. J'ai un chouette brillant, j'ai un corps, j'ai tout en même temps. Et donc, ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Et si je split les micros, là, je suis côté neck. Ouais. Là aussi, j'ai un. J'ai vraiment exactement la même chose. On entend tout, quoi. On entend tout, avec la différence du split qui fait que tu as une EQ qui n'est pas la même, un peu moins basse, etc. Mais j'ai quand même quelque chose d'assez complet. Et ça, c'est. À chaque fois, je redécouvre le caractère de la guitare à travers l'ampli. Parce que je sais que c'est une très chouette guitare, mais elle est encore mieux mise en valeur par l'ampli. Je t'interromps deux secondes, mais aussi ce que j'adore, avec la petite démo que tu viens de faire, c'est que. On entend vraiment l'intention que tu vas mettre dans ta main droite. Donc, tu vas caresser, ça va être doux. Exactement. Tu vas rentrer un peu plus fort et l'ampli va répondre toujours à la manière dont tu vas jouer en fait. Exactement. Et donc, au niveau nuance, dynamique. C'est ça. Enfin, je trouve ça super, super joli en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il est très dynamique. Ça veut dire qu'il faut faire gaffe à ce que tu fais aussi. Ah, ça pardonne. Il entend tout. Ça pardonne pas, ça c'est clair. Mais du coup, il est très dynamique et il va, y compris si je suis en rythmique, si je suis splitté. Et si je tapote, si je frappe plus fort, il va vraiment rendre toute la gamme de nuances. Ouais. Et la guitare, c'est un instrument qui n'a pas énormément de nuances. Mm-hmm. Elle n'a pas énormément de sustain. Enfin, elle en a. Mais une fois la note lancée, je fais toujours la comparaison, par exemple, à un sax. Le sax, en fin de note, il peut encore renforcer sa note. Toi, tu ne peux pas. Elle est partie. C'est clair. Et voilà. Et donc, le fait qu'elle ait dans son son une certaine dynamique, ça te permet déjà, au milieu de ce son qui ne dure qu'un temps, d'avoir de la texture, d'avoir des différences. Et si tu joues au doigt, tu as vraiment une possibilité. On entend tout le gras du doigt. Et ça, c'est, encore une fois, ça me conforte d'une part dans l'idée qu'il y a des bonnes guitares avec des humbuckers. Ouais. Parce que parfois, c'est encore une fois un setup qui aplatit une partie du son. Ouais, bien sûr. Au départ, pour des raisons techniques. Ouais. Et donc, ce n'est pas le cas du tout. Ça me permet d'utiliser ma guitare pleinement. Ouais. Et voilà. Après, on peut parler des réglages dans le détail. Ouais. Mais on est sur 50 watts. 50 watts, c'est plus que suffisant. Moi, j'ai eu en bon rocker métalleux. Des 100 watts. 150 watts. Un truc qui sert juste à se faire saigner l'oreille. Mm-hmm. Parce que c'est pas nécessaire du tout. 50 watts, c'est déjà énorme. Mm-hmm. Et ça veut dire aussi qu'à un régime moyen, il donne vraiment sa pleine capacité. Ouais, ouais. Et qu'il a des réglages, et ça aussi, on peut y venir, des réglages très effectifs. Ça, pour moi, c'est très, très intéressant. Et qui permet donc, je disais tout à l'heure que dans toute la gamme, j'étais intéressé. Mais je choisis un style qui me convient plus. Mais même au sein de l'ampli, tu peux avoir des trucs un peu radicaux tirer vers un style plus aigu, plus grave, plus médium. Il y a un double bright sur l'ampli, c'est vraiment très bien. Il y a plein de gens qui resteront au milieu, sont normales. Mais si tu as le bright, tu peux avoir le bright qui pique vraiment. Et il y a vraiment des sons radicaux pour lesquels ça peut être très utile. Ouais. Surtout si par exemple tu es en rythmique, c'est ça. Dans le style un peu funk, et que tu dois te placer dans le mix, bah, tu seras là tout en haut et c'est vraiment très bien. Ça, c'est très, très utile pour moi. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est qu'au final, là, tu es juste avec la guitare et l'ampli, il n'y a pas d'effet, enfin, à part une petite réverb. Voilà, c'est ça. Et tu as déjà fait plein de choses différentes, en fait. Ouais. Différentes. Oui. J'ai juste un... On en parlait. Hein, avec le temps, je pense que comme beaucoup, je me recentre sur les effets de base, l'enveloppe du son qui va le rendre beau. Ouais. Et puis après, tout ce que tu mets dessus, si le son à la base est beau, ça devrait aller. Ouais.
Mais c'est vrai que rien qu'avec le son de base, tu peux déjà faire beaucoup de choses, donc beaucoup dépend de tes doigts. Mais ça veut dire que tu peux déjà avoir un super... Bah, j'ai déjà la guitare permet la rythmique aussi, c'est super. Mais avec peu de choses, j'ai fait deux trois choses qui sont pas tout à fait les mêmes, et pourtant j'ai pas changé de son. Et ça me fait penser aux effets. Ouais, bien sûr. Du coup, si je redécouvre mon instrument, je redécouvre mes effets aussi. Parce qu'un bon ampli veut dire une bonne mise en valeur des effets. Ouais, et puis du coup, tu disais tout à l'heure que avant tu avais la disto dans l'ampli. Ouais. Et du coup, maintenant, tu as changé d'utilisation. Quoi. Tu utilises la disto de tes pédales dans un ampli clean. Exactement. Ouais. Et ici, par exemple, j'ai une Electron qui est une disto, 8 disto analogique pilotée en numérique. Ouais. Et j'ai une disto que j'utilise qui est pour moi le son relativement bien saturé. Mm-hmm. Tout le métalleux que j'étais. N'est pas en reste. Tout va bien. Donc, avec une bonne distorsion, il y a vraiment moyen d'emmener l'ampli vers un certain son. C'est pas un ampli métal et c'est pas ce que je recherchais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne plateforme pour pédale d'effet qui permet d'aller loin dans toutes sortes de styles. Si je prends simplement un chorus, j'ai rarement eu une telle amplitude dans le chorus. Ma guitare n'est pas à un EQ très équilibré au départ, elle est bien représentée, mais c'est grâce à l'ampli aussi. Et quand ça passe dans le chorus, j'ai un truc gros comme une baraque. À chaque fois, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un combo 1x12. Voilà. Et t'as l'impression d'avoir 4 haut-parleurs derrière toi. Exactement. Si tu fermes les yeux, ici, je ne suis pas nécessairement super loin sur le master. Ah non, non. Donc, j'ai vraiment de la réserve. Je veux dire, ça sonne super bien et c'est vraiment très agréable. On se fait pas mal aux oreilles. Quoi. Non. Donc, et par contre, il y a un truc aussi très satisfaisant en tant que guitariste, surtout si on est... pas nombreux dans le bend, c'est d'avoir une place et un EQ qui est rempli. C'est pas pour manger les autres, mais juste avoir une bonne présence et pas avoir un petit son qui te... Il n'y a rien à faire. Et ça aussi, plus avec le temps, de plus en plus, on a besoin d'avoir un son dont on est satisfait quand on joue. Tu ne veux pas jouer un truc qui te fait mal. Quoi. Et puis c'est inspirant aussi. C'est inspirant. C'est une boucle sans fin, tu es inspiré par le son, donc tu vas mieux jouer, et puis tu vas mieux jouer, tu vas être inspiré, etc. Exactement. Etc., etc., voilà, c'est ça. C'est inspirant. Ouais. Ben écoute... Ça sonne, j'adore. pareil. C'est vraiment top. Et puis, la guitare n'est pas en reste non plus. Hein. Non, elle est très, c'est très sûr. Bien aussi. Je pense que tu l'as trouvé bien. Oui, purée. Alors, moi qui ne suis pas du tout un guitariste qui va jouer ce type d'instrument, j'ai été bluffé la première fois qu'on a joué ensemble parce que elle permet plein de choses au final. C'est ça. Va se dire, oh, un Floyd Rose et deux humbuckers au secours. Non, en fait, pas du tout. Quoi. Non, et puis du coup, le fait d'avoir un split, ça ne va pas remplacer le setup des guitares qui, de manière traditionnelle, ont des micro-sales. Ouais. Mais du coup, entre le fait d'avoir un super bon ampli, une bonne guitare versatile, j'ai énormément de possibilités de mettre en valeur mon son et je suis content quoi que je joue. Donc ça, c'est vraiment c'est le pied. Quoi. Trop bien. François, est-ce que tu peux juste nous expliquer la manière dont tu règles l'ampli? Est-ce que tu le règles assez flat? Ou bien tu vas vraiment chercher quelque chose de particulier avec l'EQ, avec le gain? Comment tu opères généralement? Alors par rapport à mon style le style de son que j'apprécie, par rapport à la guitare que j'ai, qui sont des micros assez vintage, qui ont peu paraffinés, qui ont tendance à bien rendre tous les coups qui sont bien clairs, quoi. Voilà, les coups d'onglet, etc. J'aime bien garder cette plage dans les aigus bien audible, donc je tire un peu vers les aigus, pas énormément, et en fait globalement je vais pousser le gain assez loin, pour avoir un son bien épais et après j'ajuste avec le master, et je tire juste un peu sur les aigus, et
là, ici, je suis sur le premier degré de Bright. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment bien. Parce que dans mon cas, voilà, dans mon cas, tu l'as entendu tout à l'heure, ouais. J'ai joué la disto, j'ai joué le chorus, etc. Ouais. On n'avait pas trop d'aigus. Non, c'était. Pourtant, on était en Bright. On entendait tout, en fait. Hein. Voilà. Et donc, voilà, c'est un peu le setup qui me convient par rapport au genre de guitare que j'ai, au genre de style que je joue. Ouais. Et je voulais ajouter une chose. Ouais. Moi, j'utilise une reverb. Une reverb complexe, donc avec un certain nombre de sons. Et il faut savoir que dans le The One, il y a une spring, comment est-ce qu'on appelle ça? Une spring qui est reconstituée, pas une spring. Une spring analogique. Une spring analogique. Ouais. Et c'est la seule chose quand j'ai. Enfin, pas la seule chose, parce qu'il était possible de ne pas l'avoir. Oui, bien sûr. La seule chose, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que moi, la spring, le problème que j'ai avec la spring, c'est qu'elle est géniale, mais elle est très caractéristique. Ah ouais, c'est très typé. Très typé. Et du coup, je me suis dit, mais il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, que votre reverb, elle a été travaillée pour ne pas avoir cet EQ qui tire fort et qui emmène le son vers l'aigu comme ça. Et qui n'est pas invasive au final. Donc, je me suis surpris très souvent à me dire, mais en fait, pour plein d'utilisations que j'ai, c'est une reverb moyenne qui fonctionne très bien. Ouais, bien sûr. Et ça veut dire aussi, dans certaines situations où c'est le plus facile, pas de pédale en plus. Directement. Et elle est là. Ouais. On a juste un dosage et elle est là. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, en plus des réglages qui, bon, sont très effectifs, le fait d'avoir une reverb comme celle-là, quand il ne faut pas s'arrêter au mot spring, parce que ce n'est pas une spring comme les autres, et qu'elle n'est pas invasive et qu'elle est très intéressante. Ouais. Donc, pour résumer, le fait que l'ampli ait 50 watts, c'est une puissance qui n'a pas besoin de plus. Non, le fait qu'il ait les réglages qu'il a et entre autres, le fait d'avoir un double bright pour ceux qui veulent tirer sur les aigus. Le fait qu'il ait une boucle. Je rebondis là-dessus, mais tes effets de reverb, delay, chorus. Les modulations, tout ça, c'est tout dans. Tout est mis dans la boucle. Donc, ce qu'on entendait du chorus tout à l'heure, c'est dans la boucle. Ouais. Et elle met super bien en valeur les effets. Ouais, Et je suis sûr que ceux qui l'essayeront comprendront quand ils entendront leurs effets, ça sonne vraiment pas pareil. Quoi. Non, ça, mais écoute, ça les booste. Moi, j'ai déjà fait le test plusieurs fois à mettre, tu vois, mes effets de modulation en face et dans la boucle, surtout dans la boucle de cet ampli parce que j'ai le même à la maison et dans la boucle ça tout devient plus beau, plus 3D, plus défini, donc elle fonctionne super bien. Voilà, tout est boosté, donc avec tous ces atouts là, pour moi c'est un ampli qui peut tout faire en fait. Il peut pas tout faire probablement parce que, et c'est pour ça que d'ailleurs AMS a une gamme, parce qu'il y en a qui peuvent tirer plus d'un côté que de l'autre, mais il est vraiment très polyvalent et il met vraiment bien en valeur tout ce qui y est branché, et c'est une étape super importante dans la chaîne entre ampli, guitare, effet, donc moi j'en suis vraiment super content. Trop cool. Écoute, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre ton actualité? Tout à fait. Aller te voir en concert. Alors moi, j'ai un Facebook à mon nom, j'ai un Instagram à mon nom. Et comme je travaille vraiment majoritairement avec Ibrahim Malouf, on peut aller voir sur son Insta, son Facebook ou son site ibrahimmalouf.com. Et là, j'ai la chance de faire une tournée d'été. Début juin à fin juillet. Okay. On va faire un tas de festivals plutôt en France. Et pour ceux qui veulent venir me voir ou nous voir, le plus proche, ce sera probablement en automne, où on a la chance de faire la tournée des Zéniths. Et on fera le Zénith de Lille. Et on a la chance de faire pour la troisième fois Bercy. Ce qui est déjà, le faire une fois, c'était déjà incroyable. C'est la troisième. Donc on a une chouette tournée en été, une chouette tournée en automne, et donc dont une date à Lille qui est pas trop loin, donc pour nos copains belges, et je les invite à venir parce que c'est un chouette album qui est rap, hip-hop et en live, comme je suis là, rock aussi, pour l'actualité. Tout ça avec ton nouvel ami. Évidemment, avec mon nouvel ami. Mais écoute François, je te remercie encore une fois d'être venu aujourd'hui au studio, présenter ton matos, ton ampli, ton jeu. C'était un réel plaisir de jouer avec toi. J'adore ce que tu fais et c'était toujours ultra inspirant de voir des guitaristes pros utiliser notre matos, donc c'est super chouette. Donc encore une fois, merci beaucoup. Mais merci à vous aussi. Je voulais dire que
Moi, c'est pas. Au départ, j'ai entendu un son d'ampli qui m'a intéressé. Ouais. Et puis j'ai rencontré deux mecs, Ben et Jova, qui travaillent pour faire de bons amplis. Et autant au niveau des guitares que maintenant au niveau des amplis, j'achète local. Ouais. Et je travaille avec des gens surtout et avant tout qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ouais, ouais. Et qui font du très bon matériel. Donc je suis doublement content de faire ce que je fais avec le matériel que j'ai. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci à vous. Super. Mais les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, début de journée, peu importe. Et je vous dis ciao.